Imani Shimwe. Je pense que hier vous avez eu les bons moments. Nous, là où nous sommes rendus à Butare, nous sommes les Juifs, nous avons eu des bons moments. Dans le mariage, c'est-à-dire dans la remise de la don de Somme, Galatia. Nous allons lire au Galates. Galates chapitre 1, verset 6. Du verset 6 au 10. Ndatangazwa n'uko mwimuye vuba mutyo, mukareka uwo bahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima, bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Amen. 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 Alléluia. Merci. Merci. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo kugubuntu bwawe. Turagushimiye mwami yuko watanjanye natwe kandi urajizanye natwe. Turagusabye kugira ngo ibere hano byo umugisha guhera ku itangiriro kugeza ku iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ariko abo ba nize abo ariyo abo maze kuvuga mbonye hari abinjiye muri aka kanya nari nabonye ko naba ese Elivani yari ahari ese Elivani sore ici loué soit l'éternel alléluia loué soit l'éternel alléluia Le frère qui va nous aider par la plaie, nous allons recevoir l'évangéliste. Amen. Amen. Thank you.
Mwami mana y'umujuru Dieu véritable Imana y'ukuri et Dieu de la Bible kandi Imana ya Bibiliya reçois la gloire et l'honneur akira ishimwe no guguhimbaza pour le moment que tu nous accordes ce matin devant ton sceptre et kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye imbere y'ubwiza bwawe bien-aimé Jésus mukundwa Yesu comme le fils des hommes et twebwe nk'abana b'abantu nous venons de te louer avec nos bouches et nos mains tuje kuguhimbaza n'iminwa yacu n'amashyi yacu. Nous avons chanté à ton honneur, toi, le Dieu véritable. Et tu es celui qui mérite la louange et l'adoration. Que ton nom soit élevé parce que tu as été mort et ressuscité. Tu nous as rachetés à un grand prix. Nous te louons ce matin. Puisque tu nous as donné la révélation de te connaître, toi le Dieu véritable. Alors qu'il y en a d'autres qui sont ce matin autour des idoles. Il y en a ceux qui sont autour de la boisson. Il y en a ceux qui sont même des fous, sans conscience. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Utunganye imitima yacu yitegure kwakira ijambo ryawe. Nous te confions tout le programme du début jusqu'à la fin. Tuguhaye gahunda zose guhera kwitangira kugeza ku iherezo. Au nom de Jésus Christ. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Je vous salue avec joie dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Ndabasuhuza n'umunezero mwinshi mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Je vous invite à vous lever. Ndabasaba guhaguruka kugo kubaha ijambo ry'Imana. Nous avons un long programme. Et uyu munsi hari gahunda ndende. On ne sait pas diser de notre temps. Ntabwo dushaka gutakaza umwanya. Pour aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Marc. Et uyu munsi turasoma mu gitabo cya Mariko. Marc chapitre 11. Mariko igice cya 11. Nous lisons le verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Bethanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il pouvait trouver quelque chose. Areba kure abona umutini uriho ibibabi arawegera ngo ahari yabonaho imbuto. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi kuko kitari gihe cyo kwera kw'imitini. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose abigishwa be barabyumva. Ajoutons le verset 20. Dusome n'umurongo wa 20. Le matin en passant les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye mu mizi. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Petero yibutse ibyaho aramubwira ati mwigisha ndore wa mutini wavumye wumye. Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu. Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we yize yuko icyo avuze gikorwa yakibona. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Hébreux chapitre 11. Abaheburayo igice cya 11. Oh, la foi est une ferme,
Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Kwizera ni kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi ni Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Kandi niko kuduhamiriza byo bitaraba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. E ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mushobora kwicara. Ajoute la bénédiction à la lecture. Kandi umwami atanga umugisha ku byanditswe bisomye. Par la grâce de Dieu ce matin. Ubuntu bw'Imana muri iki gitondo. Nous allons introduire ce sujet. Tugiye gutangira umutwe w'amagambo. On va développer après avec la bénédiction de notre pasteur. Uwo tuzakomeza kuvuganiraho nyuma bitewe nuko umushumba azashaka. Je voudrais vous parler de la foi, mes frères et sœurs. Nashakaga bene datoshi bacu kubaganiriza ku kwizera. La Bible nous montre Bibiliya itwereka que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Yuko utizera bidashoboka ko anezeza Imana. Il veut dire que tout celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Bibiliya tubwira ngo uwegera Imana wese akwiye kwizera ko Imana iriho. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Kandi Imana ikaba ariyo igororera abayishaka. Sans l'imagination. Kwizera ntabwo ari ibitekerezo mu mutwe. La foi est quelque chose de réel qu'on a. Kwizera ni ikintu gifatika umuntu akagira. Et vous avez la foi. Kandi iyo ufite kwizera. Vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes qui ont été fermées. Ubu ufite urufunguzo rwo gufungura imiryango yose ikinze. Quand vous voyez un chaton, vous avez vu un chat. Iyo ubonye un chaton. Akana kipusi ubonye ipusi. Celui qui voit un poussin, il a vu une poule. Ubonye umushwi ababonye inkoko. Si tu vois une fillette, iyo ubonye umwana w'umukobwa muto. Tu as vu une femme. Uba wabonye umugore. Et quelqu'un qui voit un enfant de Dieu, kandi ubonye umwana w'Imana. Il a vu Dieu. Ababonye Imana. Un enfant de Dieu. Umwana w'Imana. Il a la puissance. Afite imbaraga n'ubushobozi. Un enfant de Dieu. Umwana w'Imana. Il a quelque chose que le monde n'a pas. Agira ikintu isi. C'est pourquoi la Bible dit nous, que vous voyez, mubona, nous possédons toutes choses. Dufite byose mu biganza. Nous possédons la vie éternelle. Dufite ubugingo buhoraho. Nous possédons le royaume des cieux. Dufite ubwami bwo mu ijuru. Nous possédons la guérison divine. Dufite gukira uburwayi. Pas seulement la guérison de la malaria. Ari gukira malaria gusa. Mais la guérison de toutes nos maladies. Ako gukira uburwayi bwacu bwose. Dieu est réel. Imana ni Imana y'ukuri. Dieu n'est pas mort. Imana ntiyapfuye. Imana et par son amour, kandi binyuze mu rukundo rwayo, il a fait de nous ses enfants. Yaduhinduye abana bawe. Héritier de toutes ses promesses. Abaragwa b'amasezerano. Toutes les promesses de la Bible sont en nous. Amasezerano yose yo muri Bibiliya ni ayacu. C'est pourquoi la fois passée je vous ai dit. Niyo mpamvu ubushize nababwiye. Lorsqu'il y a des problèmes, des cas difficiles dans l'église, iyo hari ibibazo bikomeye, on les amène à Dieu. Babishyira Imana. Et il est important qu'il y ait des problèmes au milieu de nous. Ni ibyangombwa ko haboneka ibibazo hagati yacu. Pour que vous puissiez expérimenter Dieu. Kugira ngo tubashe kwibonera Imana. Si le peuple n'a pas faim. Niba ubwoko budashonje. Comment il sera nourri? Ni gute bagaburirwa. Si le peuple n'est pas malade. Niba abantu batarwaye. Comment il saura que Dieu le guérissait? Azamenya bate ko Imana ikiza ubugwari. Il faut qu'il y ait des hommes parmi nous. Bikwiye ko haboneka abantu hagati yacu. Qui ont des maladies incurables. Barwaye uburwayi budakira nk'uko abantu bavuga. Et il les amène ici. Barangiza bakabaza n'abantu. Nous avons le nom de celui qui guérit toutes les maladies. Il est guéri. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu peur de l'ennemi. Et je crois que ce matin, vous avez la foi. Ça, je le crois. C'est simple. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Si nous prêchons réellement la parole, ça signifie que vous avez la foi. La foi, qu'elle soit petite ou grande, elle s'appelle la foi. Et elle est suffisante. Amen.
Donc moi je ne cherche pas quelqu'un qui a une grande foi. Jésus disait, si vous pouvez avoir une petite foi comme les grains de sénégalais, ça règle la chose. Moi, votre frère, je me tiens ici debout devant vous au nom du Seigneur Jésus. Je prends ma Bible à témoin. Avec la même Bible, Jésus Dieu a ramené deux fois les morts à la vie. Avec la même Bible et les mêmes écritures que nous venons de lire, j'ai vu le même Dieu qui a donné les yeux à Bartimée, donné les yeux à un homme. J'ai vu donner le parole au sourd muet. C'est un Dieu réel et il est dans son église. C'est pourquoi nous ne craignons pas les dénominations. Nous avons Dieu et nous n'avons pas les envier. Nous les disons, venez avec vos problèmes, vous allez expérimenter Dieu. Pourquoi est-ce que nous échouons? Nous échouons parce que nous raisonnons sur la parole. La foi ne raisonne pas. La foi obéit. La chose viendra comment? Moi je ne le sais pas. Ntabwo je mbizi. Mais je crois que ça viendra. Ariko nizera ko bizaba. Quand Dieu te dit lève-toi, Imana ikubwiye ngo uhaguruka. Même si tu as fait 25 ans, nubwo waba umaze imyaka 25, mets-toi debout, obéis. Haguruka wumvire nta kintu. Parce que l'écriture dit à Zorobabel, ibyanditswe byabwiye Zorobabel, ni par la puissance, ntabwo ari kubw'imbaraga, ni par la force, nta nubwo ari kubw'ubushobozi. Mais c'est par mon esprit, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni kubw'Imana. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? None wa musozi we wita nde imbere ya Belzebu uzacishwa bugufi. Si tu crois la parole de Dieu, tu dis à la montagne qui est devant toi. Tu dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis dans un voyage. Ôte-toi devant moi. Je voudrais passer. La montagne s'éloignera de toi. L'ennemi a semé la crainte au milieu des enfants de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive plus à expérimenter Dieu. L'église est à la fin. Nous ne sommes plus au début de l'église. La parole de Dieu, elle est suffisante. La femme que vous voyez ici, elle avait des béquilles. Elle a fait environ 15 ans avec ses béquilles. Nous sommes à Likasi en 2015, nous étions avec le pasteur à la convention. Je les ai dit, Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ceci n'est pas tout simplement un slogan. C'est une réalité. Si Jésus est le même, niba Yesu uko yari agaruka, none ubutware bwe butuma akora mu bihe byose nk'uko yakoze kera kuko adahinduka. La femme a entendu. Uyu mugore yarabyumvise. Elle m'a dit, mais est-ce que ton Dieu est capable? Arambwira ati ko se Imana yawe ifite ubushobozi. De m'aider à jeter mes béquilles. Bwo kumfasha kujugunya imbago. Si tu crois tout est possible. Ndamubwira nti niwizera byose birashoboka. Ça sera comment? Ati biraza kugenda bite. Ndamubwira nti mushiki wanjye ntabwo bizi. Elle a dit à ses enfants le matin, c'est abwira abana be mu gitondo hari kuwa gatanu. Je pars à l'église. Arambwira ati ngiye mu itorero. Je ne peux plus rentrer avec ses béquilles. Ntabwo nshaka kuza kugarukana zino mbago. On a trouvé Paul. Babona ko yataye umutwe. Elle est arrivée à l'église. Agera mu itorero. Nous étions en train de prêcher. Twari turi kubwiriza. Le même Dieu. Yama. Il est descendu. Iramanuka. L'onction l'a saisi. Gusigwa kurabufata. Ajugunya imbago ze. Et ku cyumweru. Noneho tufotora iyi foto. Imbago twazisize mu biro by'umushumba. Imana ni Imana y'ukuri. Iyo ivuze. Yuvuze utubuno uburwayi bwanjye. Buzaguma ari ubwawe. Uburwayi ntabwo ari ubwacu. Dieu veut que nous puissions être guéris. Imana ishaka ko dukira.
Oh non, moi je suis diabétique. Oh, ngo jewe ndu wa diabète. Tu vois avec ma maladie. Urabona mwene data n'uburwayi. Environ 25 ans. Uburwayi mbaranye nabwo imyaka 25. Ariko uri umwana w'Imana. Tu es un enfant de Dieu. Uri umwana w'Imana. Il te manque quelque chose. Hari icyo ubura. Je ne t'oblige pas. Ntabwo ndi kubigutegeka. Si tu crois. Ntabwo ndi kubiguhatira. Que Dieu est réel. Niba wizera ko Imana ari nzima. Uraza kubibona. Comment tu peux croire que tu seras enlevé? Ni gute wakwizera kuzazamurwa. Mais tu n'as pas la foi de croire à la guérison. Ariko ukananirwa kwizera gukira uburwayi. Jésus-Christ partout où il passait. Yesu Kristo aho yanyuraga hose. Il prêchait le royaume de Dieu. Yabwirizaga ubwami bw'Imana. Il guérissait les enfants. Yagaburiraga abashonje. Il guérissait le malade. Yakizaga n'abarwayi. C'est ça l'évangile. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Et si tu crois, kandi niba wizera, tu verras Dieu. Uzabona Imana. Ne doute pas. We gushidikanya. Dieu est réel. Imana ni Imana y'ukuri. Il a dit à ses disciples, yabwiye abigishwa be, allez prêcher la parole. Aragira ati mugende mubwirize ijambo ry'Imana. Mukize abarwayi. Purifiez des lépreux. Mweze abafite ibibembe. Il y a des maladies que la médecine appelle incurables. Hari uburwayi ubuvuzi busanzwe bwita ko budakira. Kubera iki? Parce que l'homme, kubera ko umuntu, il est limité. Umuntu agira ahagarukira. Tous les médecins qui ont fait l'université. Abaganga bose bize université. Ils ont eu 50%. Bagiraga 50%. 60%. Amanota 60%. 80%. 80%. 85%. 85% bakagarukira aho ngaho. Et lorsque le médecin vous dit. Ariko iyo umuganga akubwiye ngo. Maintenant nous n'arrivons plus à faire quelque chose. Ubu ngubu ntacyo tukibashije kukumarira. C'est en ce moment-là qu'il faut s'attendre à Dieu. Aho noneho niho ugomba guhanga amaso Imana. Dufite umuganga qui a fait 100%. Wagize ijana ku ijana. Izina rye ni Yesu Kristo. Il dit je suis celui. Yaravuze ati ni jyewe. Ubabarira gukiranirwa kwawe. Ni jyewe ukiza uburwayi bwawe bwose. Ibyo ngibyo tugomba kubibona hakiri umunsi. Ntabwo tuzabibona mu ijuru. Ce n'est pas au ciel. Ntabwo ari mu ijuru. Les témoignages, ubuhamya, nous en avons assez. Ubuhamya turabufite bwinshi. Et nous allons vous les donner. Kandi turabubaha. Vous réveiller. Kugira ngo namwe tubakangure. Pour secouer votre. Kugira ngo tunyeganyeze kwizera kwanyu. Vous aider à entrer en contact avec Dieu. No kubafasha kugirana ubumwe n'Imana. C'est ça le rôle des ministres. Iyo ni ubwo ako niko kazi k'umukozi. Les ministres ne sont pas appelés à faire des guerres du haut de la chair. Umubwiriza butumwa ntago yahamagariwe kurwana intambara no kuruhimba. Les ministres sont appelés à mettre Dieu en contact avec les peuples. Ababwiriza bahamagariwe guhuza abantu n'Imana. Le rôle des ministres est de prendre Jésus au ciel. Umurimo umubwiriza no gufata Yesu mu ijuru. Akamuzana no ku isi. Akabwira ubwoko bw'Imana ati dore Yesu nguyu. C'est ce que nous allons faire. Kandi cyo nicyo turi bukoreye. Et quand vous croisez Dieu. Kandi uhuye n'Imana. Dieu on le croise pas tous les jours. Imana ntabwo bahura nayo buri munsi. Quand vous croisez Dieu. Uhuye n'Imana. Ne laissez pas l'occasion à d'autres personnes. We kurekera amahirwe abandi. Vous êtes sûr que vous avez croisé Dieu. Munsi uzaba wizeye ko wahuye n'Imana koko. Accrochez-vous à lui comme Jacob. Uyihambireho nka Yakobo. Jacob a vu Dieu. Yakobo yabonye Imana. Ils ont lutté toute la nuit. Arwana na ijoro ryose. Dieu dit à Jacob, laisse-moi. Imana ibwira Yakobo iti ndekura nigendere. Yakobo aravuga ati oya. Jyewe Yakobo ndarwaye. Jyewe Yakobo mfite ibibazo. Jyewe Yakobo ndi umubeshyi. Ntabwo ndi bukure kure. Imana. Imana yo mu ijuru. Ibwira Yakobo. Iti igitondo kiregereje. Ndakwinginze ndakura. Yakobo aravuga ati. Mbere yuko nkurekura. Banza umu umugisha. C'est ça un chrétien. Uko niko umukristo amera. C'est pourquoi en écoutant la parole. Niyo mpamvu igihe wumva ijambo ry'Imana. Écoutez la parole pour vous-même. Ugomba kuryiyumvira wowe ubwawe. Vous devez écouter la parole. Ugomba kumva ijambo kandi rikaba iryawe. Et on doit vous amener à expérimenter Dieu. Kandi tugomba kukugeza aho wihurira n'Imana. Pas un Dieu qui viendra. Atari Imana izaza nyuma. Il s'appelle Jésus. Yitwa ndiho. Et tous ceux qui ont croisé Dieu. Kandi abahuye n'Imana bose. Leur vie ont changé. Ubuzima bwabo bwarahindutse. Vous ne pouvez pas croiser Jésus. Ntabwo ushobora guhura na Yesu Kristo. Et vous restez la même personne. Ugume nkuko wari umeze. Si vous passez à la croix. Niba ugeze ku musaraba. Ubuzima bwawe ntibuhinduke. Regardez la croix que vous avez vue. Reba umusaraba wabonye uwariwo. Vérifiez la croix. Genzura uwo musaraba uwariwo. A Golgotha il y avait trois croix. I Golgotha hari imisaraba itatu.
Mais la croix qui avait la vie, c'est la croix du millier. Si toi tu es passé à côté de la croix du brigand, ni ba wowe warageze ku musaraba w'umujura, ne changerait pas. Ubuzima bwawe ntabwo buzahinduka. Tous ceux qui sont passés à côté de la croix de Jésus, abanyuze bose ku musaraba wa Yesu, leur vie a changé. Ubuzima bwabo bwarindutse bene data. Leur vie a changé. Ubuzima bwabo bwarahindutse. La parole de Dieu, ijambo ry'Imana, elle est puissante. Rifite imbaraga. La parole de Dieu, ijambo ry'Imana, elle est vivante. Nirizima. La parole de Dieu, ijambo ry'Imana, elle est efficace. Rifite ubushobozi. Dieu, Imana, il n'a pas échoué devant Dorcas. Ntabwo yigeze inanirwa imbere ya Dorcas. Il n'a pas échoué devant Moïse. Ntiyigeze inanirwa imbere ya Mose. Il n'a pas échoué devant William Branham. Ntiyigeze inanirwa imbere ya William Branham. Il n'a jamais échoué devant ton problème. Ntishobora kunanirwa imbere y'ikibazo cyawe. Mais c'est toi qui as la clé. Ahubwo ni wowe ufite urufunguzo. La clé c'est la foi. Urufunguzo ni ukwizera. N'associez pas vos efforts avec la parole. We kuvanga imbaraga zawe n'ijambo ry'Imana. Oh non non Dieu. Eh ngo mana. Kubera ko fashe uyu muti noneho unyuze kuri uyu muti ntabwo izagukiza. Oh non parce que moi j'ai étudié. Oh kubera ko nize. Kwa qu'à travers mes études. Ushobora ibyo byose ukoresha n'amashuri nishe. Dieu va me donner du travail. Imana ishobora kumakiza. Imana. Il est capable. Ifite ubushobozi. D'appeler du néant. Ebwo guhamagara. Il n'existe pas. Iki nigikuye mu busa. Il est capable. Imana ifite ubushobozi. Je voudrais vous apprendre. Ndashaka kubigisha. Vous êtes des dieux. Yuko muri Imana. Des dieux vous connaissez. Muri ab'Imana kandi Imana ibazi. Vous avez quelque chose que le monde n'a pas. Hari icyo mufite isi dafite. Madame disait que. Mwene data Branham yaravugaga ati. Lorsque les choses deviennent difficiles dans la vie d'un chrétien. Iyo ibintu bihindutse bikomeye mu buzima bw'umukristo. Umukristo. Il a la capacité. Afite ubushobozi muri we. De créer son monde. Et bwo kwiremera. Son monde à lui. Kwiremera isi ye. Il quitte ce monde de problèmes. Akasoka muri isi ibibazo. Il entre dans le monde de la foi. Akinjira mu isi yo kwizera. Et dans le monde de la foi. Non, non, muri iyo si yo kwizera. Rien n'est impossible. Nta na kimwe kidashoboka. Il verra Dieu face à face. Azibonera Imana maso ku maso. Vous avez cette capacité à vous. Ufite ubwo bushobozi muri wowe. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Umukristo ntabwo ari umuntu usanzwe. Un chrétien il est extraordinaire. Umukristo ni umuntu udasanzwe. Quand un chrétien est dans son état, iyo umukristo ari mu buryo bwe, le monde va l'appeler sorcier. Isi imwita umupfumu. Oui, effectivement. Et kandi niko bimeze. Nous sommes des grands sorciers. Turi abarozi bakomeye. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit que les sorciers ils mangent les gens. Et kubera ko bakunze kuvuga ngo abarozi barya abantu. Mais nous aussi. Kandi abantu bakabyemera. Natwe umunsi umwe. Nous avons mangé la chair d'un homme. Twariye umubiri w'umuntu. Et nous avons bu son sang. Kandi twanyweye n'amaraso ye. Il vit à nous. Aba muri twe. Il a dit le monde ne me verra pas. Yaravuze ati abisi ntibazambona ariko mwebwe. Mwebwe muzambona. Kubera ko nzabana namwe. Kandi nzaba ndi muri mwe. Amen. Puisque le monde ici ne voit pas Jésus à nous, itabona Yesu muri twe, le monde va nous appeler des sorciers. Ici za twita abarozi. Notre Dieu, Imana yacu, il ressuscite même le mort. Izura n'abapfuye. Mon temps est court, je vais bientôt l'arrêter. Igihe cyanjye ni kigufi ngiye guhagara mu kanya. Revenez nombreux. Muzagaruke muri benshi. Appelez même les malades. Muhamagare n'abarwayi. Qu'ils viennent. Bazaze. Aujourd'hui. Uyu munsi. Jésus Christ guérit encore le malade. Yesu Kristo aracyakiza abarwayi. Il sauve réellement le péché. Aracyacungura abanyabyaha. On a validé des choses. Hari ibintu twamaze guha agaciro. On ne pouvait pas valider. Ibyo tutari dukwiye guha agaciro. Et Satan est calme, il se réjouit de ça. Kandi Satani ibyo biramunezeza. Qu'est-ce qui nous fait manquer les choses aujourd'hui? Et ni iki gituma d'accéder aux promesses de Dieu? Et tudashyikira amasezerano y'Imana uyu munsi. C'est la paix. N'ubwoba. Un chrétien ne craint pas. Umukristo ntabwo ari umunyabwoba. Un chrétien stable. Umukristo ni umuntu ushikamye. Il est ferme dans sa foi. Aba ashikamye mu kwizera kwe. Parce qu'il a Dieu. Kubera ko afite Imana. Bene data. Même dans les épreuves. Ndetse no mu bigeragezo. Quand l'épreuve devient difficile.
ikigeragezo iyo gikomeye Imana yo mu ijuru iza gufata mu biganza byayo iza kunyuza mu bigeragezo igihe uzagera hakurya uzibaza uko watambutse ikigeragezo bikuyobere niyo mpamvu umukristo ntazahungabanywa na rimwe imbere y'ibibazo Je prêchais un jour dans mon pays. Nabwirije rimwe mu gihugu cyanjye. Une sœur avait son enfant mort à l'hôpital. Mushiki wacu yari afite umwana wapfiriye kwa muganga. L'enfant était gravement malade. Umwana yari arwaye cyane. Ils sont partis à l'hôpital. Ebajya mu bitaro. Et là les médecins ont tout fait. Eh abaganga bakora ibyo bashoboye byose. Umwana we aza gupfa. Le médecin avait peur de l'informer parce qu'il était seul. Iyo muganga yari yagize ubwoba bwo kumubwira kuko yabonaga ari wenyine. On a demandé d'appeler son mari. Baramubwira ngo ahamagare umugabo we. Elle a dit. Aravuga ati. Au lieu d'appeler mon mari. Aho guhamagara umugabo wanjye. Appelez les hommes de Dieu. Nimuhamagara ahubwo abantu b'Imana. C'est très important. Ibyo ni ibyangombwa cyane. Quand tu n'as pas confiance. Igihe udafite icyizere. Que Dieu a établi par vous. Kuba Imana yashyize hagati yanyu. Tu ne seras jamais béni. Ntuzahabwa umugisha na rimwe. Tu peux prier Dieu, tu pries. Ushobora gusenga Imana ukayisenga Imana ntigusubize. Et tu viens voir les hommes de Dieu. Ukaza kureba abantu b'Imana. Ils prient pour toi. Bakagusengera. À cause de leur prière. Kubera amasengesho yabo. Dieu du ciel se souvient. Imana yo mu ijuru ikakwibuka. C'est pourquoi vous devez avoir confiance. Niyo mpamvu mukwiye kugira icyizere. Aux hommes. Ku bantu. Que Dieu a établi. Ab'Imana yashyizeho. Hagati yanyu ils sont les hommes comme n'abantu nkamwe ils sont des faiblesses bafite intege nke ils ont quelque chose que vous n'avez ariko pas ariko hari ikindi bafite mudafite ils ont quelque chose que vous n'avez ari cyo bafite mwe mudafite j'étais en train de prêcher nari ndimo kubwiriza les gens sont arrivés avec des motos et abantu baraza bari kuri moto ils ont appelé son pasteur bahamagara umushumba wabo le pasteur a dit moi je ne pars pas umushumba aravuga ati giye ntago ngenda frère que toi tu pars je t'envoie avec un prédicateur we mwene data agenda ujyane n'umubwiriza n'umudiakoni nous sommes arrivés à l'hôpital et tugeze kwa muganga les yeux de l'enfant étaient tournés amaso y'umwana yari yahindukiye la bouche était ouverte akumunwa yafunguye perfusion transfusion tout était arrêté ibyo kumutera inshinge na za serumu byose byarangiye bamaze kumuhambira turinjira twinjiye umugore aravuga ati mushumba mufite imana mwe kwita uko umwana wanjye ameze mwebwe nimusenga imana yanyu angarurire umwana mu buzima kandi yaratuje muri we Mais toi, tu t'agites même devant la fièvre typhoïde. Ariko wowe n'imbere ya typhoïde utumutwe. Et le diable prend le dessus sur toi. Non, umwanzi agahita ajya hejuru yawe. Jésus-Christ dit. Yesu Kristo aravuga ati. Tu diras la montagne. Uzabwira umusozi ngo shingukano. La montagne obéira. Musozi uzabyubahiriza. Amen. Quand je suis entré. Igihe ninjiye. Vous savez, les gens quand Il regarde toujours l'apparence. Murabizi abantu buryo bareba inyuma bari byagaragara. No, bari abaganga bari bategereje kubona umupasteur munini muremure. Imana ntago iri mu gihagararo cy'umuntu. Imana ntiba mu byo abantu bareba n'amaso. Imana iba mu ijambo ryayo. Iyo ufite Imana. Nubwo waba upima ibiro bibiri. Ariko uba ufite uburemere imbere y'Imana. Umwami yarapimwe nubwo yari umwami bamushyira mu nzani w'imana bibiliya iravuga ngo wapimwe wasanzwe uri ubusa ufite uburemere n'ufite imana kandi uwo arubahwa bamwita umunyacyubahiro ndetse aba anahagarariye imana aba afite ubuhamya bw'imana nzima Amen. On s'est agenouillé. Et turapfukama. On n'a pas fait une longue prière. Ntago twasenze isengesho rirerire. Juste une courte prière. Isengesho rigufi gusa. L'enfant a toussé. Umwana aritamura. Pendant que nous étions en train de prier. Mu gihe twarimo dusenga. Cet enfant tousse. Umwana ayitamuye. La sœur a crié. Mushiki wacu arasakuza. Aravuga ati muze murebe. Yesu Kristo wazuye Dorukasi. Je vous dis la vérité. Ndababwira ukuri. C'était le même jour.
Et il a pris son enfant. Il a dit au médecin, baganga, je suis venu ici. Avec mon enfant malade, vous l'avez tué. Mais Jésus est venu. None, Yesu yaje. Donnez la vie à mon enfant. Subirize umwana ubuzima nsohotse mu bitaro byanyu nagiyiwe nimugoroba nsanga umubyeyi arimo yonse umwana wari wapfuye arimo aririmba ngo Yesu ni muntu ki amen dufite Yesu Bibiliya iri hano ntabwo ari igitabo cy'umenyi bw'isi Bibiliya dufite hano ntabwo ari igitabo cy'imibare Bibiliya ni Yehova ubwe kandi muri iki gihe cya nyuma iyo mana yavuganye na Mose ya mana yavuganye na Pawulo yaratwishuriye binyuze mu nkingi y'umuriro yavuganye n'umuntu yatanze ijambo ijambo rifite imbaraga kandi iryo jambo turarifite niyo mpamvu tudatinya ikintu na kimwe wizere wizere ko uri imbere y'Imana wizere yuko icyo ari cyo gihe cyawe kandi uraza kubona Imana amen biraterwa n'uko wowe wizeye amen ariko Imana yakubwira ngo we kugira icyo utinya Moi Dieu, jewe Imana, je viens à ton secours. Nje kugutabara. La foi est basée sur la parole infaillible. Kwizera gushingira ku ijambo ry'Imana ridahinduka. La parole de Dieu a créé le monde. Ijambo ry'Imana ni ryo ryaremye isi mureba. Elle est capable. Kandi rifite ubushobozi. De donner les enfants aux femmes qui n'allaitent pas. Guha abana ababyeyi batabyara. Ibyo ni ibintu biriho rwose. Izere. Bagira crainte. Wowe tikamira ubwoba. Wowe uti ndubwoba uzabona Imana ndangije mba ubuhamya tuzakomeza mwene data Branamu yavuze ku mugore wa mafisi uwo mugore yari umukene ntacyo yari afite umunsi umwe umwana we yarimo asamba abaganga bari bagerageje birabananira bamusubiza iwe mu rugo bene data Imana itabara ryari igihe rwose ufungiranye hano ibintu byose byananiranye wakora hano bikanga none ukavuga uti igisigaye n'urupfu ako kanya niho Imana yo mu ijuru izatabara la femme umugore elle est rentrée à la maison et asubira mu rugo son enfant fermait les yeux igihe umwana we yari ahumirije avuga ati mama ndi kubona umwijima Ta maman disait, mais toi, nous nous sommes chrétiens. Il faut que tu m'aides. Niba, ugiye gupfa. Tu dois quand même voir les anges. Il dit, tu vois les noirs. Ni gute wowe uri kubona umwijima. Elle a prié. Arasenga. Après sa prière, amaze gusenga. Elle a pris la Bible. Afata Bibiliya. La Bible est ici. Bibiliya iri hano. Ibibiliya mureba ni Imana. Dans la Bible. Eh hano muri Bibiliya. Nous avons le baptême du Saint. Tuhafitemo umubatizo w'Umwuka wera. Dans la Bible. Muri Bibiliya. Nous avons le salut. Dufitemo agakiza. Dans la Bible. Muri Bibiliya. La Bible donne même de l'argent. Bibiliya itanga ndetse n'amafaranga. Amen. La femme a pris sa Bible. Umugore afata Bibiliya ye. Elle a commencé à lire. Atangira gusoma. J'ai toujours dit aux gens. Nkunda kujya mbwira abantu. Si tu veux mourir, niba ushaka ugiye gupfa, parce que tu as lu la Bible, upfe kuko wasomye Bibiliya, tu n'as pas trouvé un verset biblique, ukaba wabuzemo umurongo n'umwe, uguha igisubizo cy'ingorane yawe. Si tu trouves un verset, ariko nubonamo umurongo umwe, il te donne la solution, uguha igisubizo ku ngorane yawe. Ihambire kuri uwo murongo umwe gusa, tu ne mourras pas. Ntabwo uzaba ugipfuye. Amen. La femme a lu la Bible. Mugore asoma Bibiliya. Dans la Bible. Muri Bibiliya. Et la vie l'histoire de la femme tsunami. Abonamo amateka y'umugore w'umushune mu kazi. La femme tsunami avait son enfant. Mugore w'umushune mu kazi yari afite umwana. Et son enfant était mort. Kandi umwana yari yapfuye. Finalement, elle est allée voir l'homme de Dieu. Noneho ajya kureba umuntu w'Imana. L'homme de Dieu est venu. Umuntu w'Imana aje. Il a prié. Arasenga. Son enfant est revenu. Umwana we agaruka mu buzima. Elle dit d'accord. Aravuga ati nta kibazo. Elle s'agenou. Eh arapfukama. Elle dit à Dieu. Aravuga tugwemeze bityo. Il n'a jamais changé. Wa mana we ntiwigeze uhinduka. Pour la femme tsunami. Kubyerekeye umugore mushune mu kazi. Il avait envoyé un prophète. Wamwohereje umwanditsi. Aujourd'hui, je suis dans les mêmes problèmes. None nanjye mfite ikibazo nk'icyo yari afite. Envoie-moi un prophète. Nanjye nyoherereza umwanditsi. Kandi umwana wanjye ntabwo araba gipfuye.
Si vous voulez voir la faiblesse de Dieu, ni bushaka kureba intege nke z'Imana, prenez ses promesses. Fata amasezerano yayo. Prenez les promesses de Dieu. Fata amasezerano y'Imana. Et Dieu ne tardera pas. Imana ntizatinda. Il viendra ensemble. Izaza mu gikorwa. Il dit, mon enfant ne mourra pas. Aravuga ati umwana wanjye ntabwo arapfa. Dieu, je voudrais voir un prophète. Mana, ndashaka nanjye kubona umuhanuzi. Elle n'avait jamais connu Branham. Ntabwo yari yarigeze amenya Branham. Elle n'avait jamais entendu parler de Branham. Ntiyari yarigeze numva bavuga kuri Branham. Finalement, noneho ako kanya. La vie est l'affaire. Noneho nijoro agira inzozi. Imana yamugendera. Elle dit, je t'envoie un prophète dans ta vie. Imana yamubwira iti nkoresha umuhanuzi mu mujyi wanyu. Mwene data Branham hari hano yari ari. Il était pour rentrer chez lui. Yagombaga kuvayo ataha. Il prend son avion. Afata indege. La prière monte. Isengesho rirazamuka. La prière de la femme trouble la atmosphère. Isengesho ry'umugore ribuza amahoro ikirere. Indege inanirwa kugenda. Dieu prend la conduite de l'avion. Imana iyobora indege. L'avion atterrit dans la ville. Imana ijya indege ijya kugwa mu mujyi. Et le pilote a dit, mon pilote a voyage plus, on va plus haut demain à 7h. C'était Dieu, yari imana. Attiré par une femme, imana, ikuruwe n'umugore. Il ne connaissait même pas écrit son nom. Utaruzi no kwandika izina rye. Dans ces choses, nous n'avons pas besoin de l'intelligence. Muri ibyo byose ntabwo dukeneye gushyira mu bwenge. Nous n'avons pas besoin de raisonnement. Ntabwo dukeneye kubitekerezaho. Nous n'avons besoin de la foi. Ntabwo dukeneye kwizera. Quand l'avion a atterri, le matin Dieu a dit à Branham, Gitondo, Imana ibwira Branham ati soka. Branham asohoka mu ndege. Il a pris sa vie. Asohoka mu nzu ye mu cyumba cye afata Bibiliya. Atangira kugenda. Il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Yari azi aho ajya ariho. Et la femme est sortie de sa maison. Non, non, umugore nawe asohoka iwe. Elle est venue attendre Branham. Aza gutegereza Branham. Amutegereza aho umujyi winjirira. Il posait la question, qu'est-ce que tu fais? Abantu baramubazaga bati, urimo urakora iki? Akavuga ati kesho manuzi arabaturutse avuga ati simbizi ariko se ni gutuvuga ngo utegeje umwanuzi aravuga ati imana yabimbwiye. Branham a fait un long voyage à pied. Branham yakoze urugendo rurerure n'amaguru. Il arrive, la femme l'appelle. Ageze umugore aramuhamagara. Arambwira ati ni amahoro mukozi w'Imana. Mwenda ta Branham aramureba. Arambwira ati ni ubwa mbere ngeze mu rumugi. None wowe unzi hehe? Il dit tu connais, tu as déjà lu l'histoire de la femme tsunamite dans la Bible. Arambwira ati se wigeze usoma inkuru z'umushune mu kazi muri Bibiliya. Oui, je me rappelle de ça. Mwenda ta Branham aramubwira ati ndabyibutse. Arambwira ati je ureba. Je suis l'une de ces genres de femmes. Mu bagore bameze batyo. Toi aussi. Nawe. Nawe. Dieu. Imana. Il ne compte pas ses enfants. Imana ntabwo ibara abana bayo. Dieu le père. Imana ipima abana bayo. Et la femme a dit, umugore yaravuga ati jyewe ndi umwe mu bagore bameze batyo nasenze Imana umwana wanjye arimo arapfa nasabye Imana kunyoherereza umuhanuzi kandi Imana yambwiye kuri buze nakubonye mu nzozi nk'uko nkubona none tujyane mu rugo murabona kwizera. Ils sont arrivés dans la maison. Baragenda bagera mu rugo. Umwana yari imbere y'urupfu. Ils n'ont pas fait une longue regarde à la montre. Mwenda ta Branham areba ku isaha. Byari isaha tanu zuzuye. Qu'est-ce qui s'est passé? Byagenze bite? À 7h on a embarqué tous les passagers. Isaha moya bari bamaze gushyiramo abagenzi bose. Pilote yakije indege iranga. Ils ont tout fait. Bakora icyo bakora cyose. Ntibabasha kwatsa indege. Bamaze kuruha. Ils ne savent plus rien faire. Tazi icyo bakora. Umugabo umwe aravuga ati noneho murebe niba abagenzi buzuye. Batangira guhamagara Katamba. Katamba yinjiye. Matiye. Matiye arimo. Jean. Bahamagaye William Branham. Bumva ituze gusa. Umuntu aravuga ati mwanze mushaka uyu muntu. Niwe mupfumu w'iyi ndege. Namara kwinjiramo turahita tugenda. Batangira gusakuza bati William Branham. William Branham. On a vu monsieur en train d'agiter son. Babona umugabo arimo azamura ikiganza. Ahageze. Barambwira bati we Branham uri muntu ki? Il dit je suis serviteur. Arambwira ati ndi umukozi w'Imana. Il dit ah. Barambwira ati noneho. Branham est entré dans l'avion. Ndata Branham amaze kwinjira mu ndege. Pilote a démarré. Pilote yakije. Indege iragenda. Vous voyez
frères, Dieu ne peut jamais envoyer ses serviteurs en vain. Je quitte le Congo, Kinshasa, très loin. Et je viens ici. Non, je ne viens pas pour faire du théâtre. Je viens pour m'associer à ta foi. Que Dieu vous bénisse. Imana iba umugisha. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Murakoze cyane mushumba. Il est en forme. Même deux heures du temps, trois heures du temps. Comme nous venons d'écouter la parole de Dieu, ce sont les actes des apôtres. Et nous voulons réellement vivre cette parole. Amen. Régine. Is it clear? Is it clear? She speaks English better than French or Kirundi. Invisible aux cieux, mais présent pour tous les cieux. Oui, Jésus, es-tu pas merveilleux? Invisible, merveilleux, certifié. Il est vivant. Kandi ni muzima. Il est le même. Kandi ni wa wundi. Hier. Uko yari ameze ejo. Aujourd'hui. Uyu munsi. Éternellement. Kandi ni teka ryose. Alléluia. Amen. Si le Seigneur me permet. Umwami namuka binyemereye. Je vais simplement prendre deux minutes. Et ndafata iminota ibiri. Je salue toute l'assemblée dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ndaramutsa itoro ryose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
particulièrement aussi notre bien-aimé frère Junior. Et quand Mubju Mihariko Mwendata Junior. Ainsi que le pasteur. Nous devons être attentifs et le Seigneur nous le dit et nous le répète. La Bible nous dit quelque part. Il dit et la chose arrive. Quand il est aux commandes, c'est lui qui règne. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Il a envoyé la parole. Vous savez? Il a envoyé la parole. Il doit envoyer la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il est présent, il doit nous donner la vie. Alléluia. Amen. J'ai demandé seulement quelques secondes. C'est mon dernier jour au milieu de vous. Je tiens à vous remercier tous pour l'accueil que vous m'avez réservé. Le Seigneur vous bénisse richement. Le conseiller. La parole est sortie. Et comme je loge chez notre sœur Elevania, le lendemain matin, nous l'avons expérimenté. N'est-ce pas, ma sœur Elevania? Que Dieu te bénisse. Mana, que le Seigneur te rende au centuple. Et cette sœur qui est venue toquer aussi à la porte pour nous amener des fruits. C'est une fille de Dieu. On ne va pas citer son nom terrestre, mais son nom céleste. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur bénisse aussi richement nos frères et sœurs de l'Assemblée de Butare. Et particulièrement le pasteur Narcisse. Comme le pasteur l'a dit, nous avons passé des moments merveilleux. Et je sais que Dieu est à l'œuvre. Ce matin, pendant que je priais, je demandais seulement au Seigneur, puisqu'il y a déjà son serviteur, qu'il me donne seulement la salutation. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Il est le même. Amen. Amen. Il règne. Alléluia. Amen. C'est vrai que les hommes peuvent faire des programmes. Mais Dieu a son programme. Alléluia. Amen. Il est le même de l'Orient à l'Occident. Et il est le chef de son œuvre. Et la grâce que nous avons, c'est de vivre cette œuvre. Alléluia. Amen. Alors comme il me donnait un verset, et on va aussi le partager. Nous pouvons nous tenir debout. Nous lirons dans le livre des Romains. Et nous sommes dans le livre des Romains. Chapitre 10. Et nous sommes dans le Romains. Romains chapitre 10, Roma, chumi, et nous lirons les versets 9 et 10. Trasoma, wa chenda, wa chumi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Niwa tuza karunga kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus.
kuko umutima ari umuntu yizeza akaba rwo gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe utugenzusha, turi imbere yawe Yesu we, turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe Seigneur, nous sommes devant toi, nous recherchons ta face, nous sommes devant toi, tu es sauveur, nous sommes devant toi, Seigneur, nous sommes devant toi. Oh, montre-nous ta face, nous sommes devant toi. Ouvre les yeux des aveugles, ouvre l'oreille du sourd, mon sauveur, la langue du muet, mon sauveur béni, redresse la masse, mon Seigneur, du boiteux, mon sauveur béni, et relève aussi ce qui a été détruit, mon Dieu puissant. Nous croyons, mon sauveur béni, que tu nous l'accordes, car nous te prions, unis d'un commun accord, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment merveilleux. Le Seigneur est vraiment le maître de l'ouvrage. Ce matin, il nous parle encore de la foi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Alléluia. Amen. Et nous devons vivre cela. Kandi tugomba kubaho dutyo. Ce n'est pas de la théorie. Ntabwo ari amagambo. Ce n'est pas une théologie. Ntabwo ari inyigisho z'abantu. Dieu nous a pas envoyé la parole. Imana ntagatweje ijambo. Pour former un nouveau groupe religieux. Kugira ngo dukore kandi gatsiko k'idini. Mais pour faire sortir son peuple. Ahubwo no gusohora ubwoko bwayo. Et que son peuple vive. Kandi ubwoko bwayo bukabaho. La parole de Dieu. Bukabaho mu ijambo ry'Imana. Dieu est la parole. Imana ni ijambo. Nous sommes la parole. Natwe turi ijambo. La vie est en nous. Ijambo riri mu buzima bwacu. Mais pour que la vie soit manifeste. Bisa kubuzima Il doit manifester la lumière de la vie. S'il est ici, la vie doit être manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons la vivre. Nous devons être des témoins vivants. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, l'a expérimenté. S'il ne l'avait pas expérimenté, comme nous l'avons entendu aussi tout à l'heure, s'il n'y a pas de difficulté, Dieu ne peut pas se manifester. S'il n'y a pas de maladie, Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Mais il le permet. Il le permet. Que lui puisse se manifester. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, nous avons tous des problèmes. Amen. On ne va pas se mentir. Et disons la vérité. Alléluia. Amen. Nous avons tous des difficultés. Le premier problème que nous avons, c'est le doute. Nous gushidikanya. Alléluia. Amen.
C'est le doute. Nous, mais quand il nous a envoyé le message du temps du soir, il a dit partout où cette parole sera prêchée selon la vérité, la même colonne de feu sera présente. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Cela n'est pas réservé à un homme. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même doit te montrer sa manifestation. Alléluia. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu crois dans ton cœur, pas dans la tête, mais dans ton cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est qu'il est présent. Car il dit, là où deux ou trois, il n'a pas dit une multitude, deux ou trois, sont assemblés en mon nom, il dit je suis. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Frères et sœurs, ce que le Seigneur nous accorde ce matin, je veux que vous soyez attentifs, parce que vous avez votre part. Ce que je désire, et j'en suis aussi, c'est ce que nous dit la parole, c'est que tous les serviteurs doivent aussi se sentir concernés. Alléluia. Amen. C'est le temps de la restauration. Pas le temps de l'intelligence. Plus le temps de la science. La science a fait ses effets. Mais il y a une science qui dépasse toutes les sciences. C'est la parole de Dieu. Il dit moi la parole. Alléluia. Il dit j'habite dans une demeure qui s'appelle discernement. Alléluia. Amen. Et le discernement, c'est la science de la réflexion. Dieu dit ce qu'il pense, mais il a pensé d'abord ce qu'il nous a dit. Alléluia. Amen. Quand il te parle, il sait d'avance que toi tu vas croire. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a destinés à cela. Si tu crois vraiment de tout ton cœur, car la Bible dit, car c'est en croyant du cœur, c'est là que entre notre action. Nous avons entendu des témoignages. Que Dieu soit béni. Il est toujours le même. De l'Orient à l'Occident. Il est toujours le même. Il a fait les incomes. Et il les a répartis sur toute la surface de la terre. Alléluia. Amen. Partout où il les a établis, Dieu agit. Imana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la souveraineté d'un seul homme. Non, il établit un corps. Et dans le corps, il y a des ministères. Dieu lui-même opère les ministères. L'homme n'a pas le pouvoir sur le ministère. Alléluia. Amen. L'homme n'a pas le pouvoir sur le ministère. L'homme peut peut-être aussi des fois utiliser le don, mais il n'est pas le propriétaire du don. Dieu est le propriétaire du don. Dieu manifeste le don pour son ministère. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu ne change pas. C'est pourquoi quand nous lisons ici dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, Jean au chapitre 9, Johann, vous connaissez ces passages. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas notre connaissance qui nous importe. Ce que nous voulons, c'est entendre Dieu nous parler. Il nous dit ici, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Et les disciples lui posèrent donc cette question. Rabbi, qui a péché? Est-ce donc cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est point que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia! Alléluia! Amen. Et il dit ici, si, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme est venu. L'Esprit d'Élie est venu. Mais l'Esprit d'Élie n'est pas parti. L'œuvre de Dieu continue. Les jours du Fils de l'homme continuent. Il discerne les temps et les moments. Il discerne toutes choses. Il discerne les pensées du cœur. Car la parole de Dieu, elle est efficace. Elle sépare l'âme et l'esprit. Os et moelle. Et discerne les pensées du cœur. Qu'est-ce qui rend la présence de notre Seigneur vaine? Ce sont les raisonnements. Mais si tu crois de tout ton cœur, Dieu agit. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Après avoir dit cela, que Dieu soit béni, il ne change pas. Quand il y a une situation, frères et sœurs, soyez attentifs. Quand il y a une situation, souvent nous sommes peinés. Mais Dieu crée aussi à côté une situation pour te montrer qu'il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Quand il y a une épreuve, n'oublie jamais, il est avec toi dans la barque. Alléluia. Amen. Parfois, nous négligeons. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous d'avoir la communion. Il a envoyé les disciples deux à deux. Quand l'un était éprouvé, Dieu passait par l'autre côté. Parce que Dieu ne peut pas être vaincu. Il est vainqueur. Alléluia. Amen. Là où toi tu connais tes faiblesses, il doit te donner une aide à côté. Alléluia. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de pouvoir... Je glisse cela vite fait. Il est important de pouvoir réellement réaliser une chose. Que le mariage doit être sur un fondement biblique. Les problèmes que nous avons dans les mariages, c'est souvent à cause du fondement. Jésus-Christ est le fondement. Il dit au départ, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Cela est en rapport avec Christ, la Christ et l'Église. Et ce qu'il doit trouver au milieu de nous, une aide semblable. Alléluia. Amen. Cela est important pour nous de pouvoir le comprendre. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il nous dit ici. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce qui est merveilleux, cet homme donc qui était né aveugle, tout le monde le connaissait. Alléluia. Amen. Surtout les parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons attentifs.
Il dit ici, Aravugati. Après avoir dit cela, Amaze kubugaricyo. C'est vraiment merveilleux. Nibiru byiza cyane. Il cracha et atira hasi sur de la terre et atira ku butaka. Il en fit de la boue. Atangira mu mukungugu kubonamo icyondo. Puis il l'appliqua là où il y avait le problème. None afata icyondo agishyira hanze hari ikibazo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est important. Et icyangombwa cyane. Job dit, Yohana aravuga ati, l'esprit de l'Éternel umwuka w'Uwiteka m'a créé. Yarandemye. Le souffle du Tout-Puissant imbaraga zisuma byose m'anime. Et nous avons dit, nyobora. Quand Dieu a pris la poussière de la terre, Dimane, le calcium, le potassium, non, non, il a potassium lui, tout ce que nous sommes, et il vient. Dieu a dû mettre en nous son souffle de vie. Imane, le souffle que tu as, fite, ce n'est pas ton souffle, wow. C'est le souffle de Dieu. Dieu est en toi. Imane, alléluia! Amen. Laisse-le maintenant t'animer de son esprit pour que tu puisses voir l'esprit qui te donne la parole. La parole manifeste l'esprit. L'esprit est la puissance. La parole est la puissance. Tu es la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mais puisque le peuple de Dieu était dans un état d'apostasie, très brièvement, comment s'installe l'apostasie? L'influence d'un autre. Mais nous l'avons entendu tout à l'heure. Dieu te parle à toi. Il parle à ton voisin. Mais Dieu te parle à toi. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ton mari. Ne t'occupe pas de ta femme. Ne t'occupe pas de ton âme. Alléluia. Quand Dieu saisit ton âme, quand Dieu agit avec toi, tu es un témoignage. Quand tu es le témoignage, ça va ramener les autres au témoignage. Dieu opère des prodiges. Dieu opère des miracles. Pour attirer l'attention. Qu'il est le même. Hier. Aujourd'hui. Éternellement. Quand tu le crois du cœur. Tu sais une chose. Que celui qui t'a appelé. Il ne peut pas t'abandonner. C'est par grâce que tu es sauvé. Il bénit ton départ et ton arrivée. Alléluia. Amen. Il y a une place merveilleuse que Dieu nous a donnée. Bientôt nous devons la voir. Non pas le voir. Non pas le voir. Non. Le vivre. Alléluia. Amen. On n'est pas appelé à voir l'enlèvement. Mais nous sommes appelés à partir de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Regardez comme le Seigneur lui dit ici. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière dans elle était la vie. Et la vie doit être manifestée. Quand il a pris tout ce qui était nécessaire, il a appliqué sur l'aveugle. Pas sur l'aveugle. Mais l'aveugle n'a rien vu. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, donc il avait fait de la boue sur l'aveugle. Tout comme nos médecins, nos chirurgiens, ils peuvent appliquer sur toi des cataplasmes. Ils prennent des choses qui sont de la terre. Ils peuvent l'appliquer. Mais en cela, il n'y a pas de puissance. Pour cela, ça doit être accompagné de la puissance. Pas une connaissance intellectuelle. Non, Dieu doit te révéler à l'heure même ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a appliqué le cataplasme, Jésus était le médecin. Yes, que Dieu te bénisse, mon frère. Le médecin qui a un diplôme. Bon, il s'est un petit peu trompé.
Oui, j'ai fait une classe supplémentaire que lui. Lui, au cours élémentaire, il est allé jusqu'à 100%. Nous, au cours suprême, on est allé à 1000%. Alléluia. Que Dieu soit loué. Avec lui, il n'y a pas d'échec. Donc quand il a appliqué la boue, il dit maintenant à l'aveugle. L'aveugle avait vraiment dans son cœur. Il savait que Dieu viendrait lui-même. Par le silo viendrait. La Bible dit dans Ésaïe 35. Il viendra lui-même. Quand il viendra lui-même, les aveugles verront. Les sourds entendront. Les muets parleront. Les portes marcheront. C'était sa confiance. Il entendait parler ici. Il entendait parler par là. Que Jésus de Nazareth marchait sur la terre de Galilée. Dans le pays de la promesse. Là où le peuple de Dieu était établi. Nous sommes établis dans la parole. Nous sommes établis dans la promesse. Dieu marche au milieu de nous. Et là où nous sommes, Dieu agit. Alléluia. Amen. Si nous restons dans les limites de la parole, nous avons la promesse de sa parole. Alléluia. Amen. Alors il dit à l'aveugle, il dit va à la fontaine de Siloé. Ça saisit le cœur de l'aveugle. Alléluia. Amen. Siloé qui signifie l'envoyer. Il dit aujourd'hui, il m'a été envoyé à ta parole, à ta parole, j'obéis. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu te parle, ne doute jamais. Il dit, et la chose arrive. Alléluia. Dieu ne change pas. Que le Seigneur nous aide. Frère. Il est donc allé à la fontaine de Siloé. Il était aveugle. Alléluia. Amen. Il était aveugle. Et puis quand il s'est lavé, il a vu clair. Alléluia. Amen. Quand il a vu clair, à la parole de Dieu, il a cru. Mais il ne connaissait pas l'homme. Que Dieu nous aide. Quand même on prie pour toi, ne regarde pas l'homme. Quel que soit le ministère qu'il a, quel que soit l'élégance qu'il a, quelle que soit la connaissance qu'il a, mais crois la parole qui sort. C'est la parole qui donne la vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous devons l'expérimenter. Il est important pour nous de pouvoir observer comment Dieu agit. Si nous devons partir, il y a une action que Dieu doit faire pour nous donner aussi le signal de départ. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. C'est important pour nous de pouvoir observer comment Dieu envoie sa parole. Alléluia. Amen. Il donne la nourriture au temps convenable. Quand Dieu veut entrer en action, il ne va pas venir avec des choses du passé. Non, il est le Dieu du présent. Nous ne venons pas ici pour voir le Dieu d'Abraham, pour voir le Dieu de Jacob, pour voir le Dieu de Joseph, pour voir le Dieu de Branham. Mais nous venons pour voir notre Dieu, expérimenter notre Dieu, le même qui a parlé à Abraham, le même qui a parlé à Isaac, le même qui a parlé à Jacob, le même qui a parlé à Branham, le même nous parle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Il est le fidèle et véritable. Il a exécuté. C'est vraiment merveilleux. On ne peut pas dire qu'il était muet. Il était aveugle. Mais jusque-là, il n'avait rien expérimenté.
Il y a beaucoup de gens qui voient comme nous aujourd'hui. Et pourtant, ils sont aveugles. Ils ne voient pas le Seigneur. On l'a entendu tout à l'heure. Il y a encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Qu'il soit avec nous, c'est une bonne chose. Il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous la croyons. Nous sommes sanctifiés. Dieu marche avec nous. Dieu marche au milieu de nous. Mais ce n'est pas la fin. Non, il dit, glorifie ton nom. Et la voix retentit. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. C'est avec nous qu'il veut glorifier son nom. Il dit, je serai avec vous. Et je serai en vous. Son nom est en nous. Son nom est la parole de Dieu. Il doit se glorifier avec nous. Pas seulement les prédicateurs, mais tout le corps de Christ. Alléluia. C'est ça qui est important. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, l'évangile, ce n'est pas pour que nous soyons vus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la vie restaurée. Au commencement, nous avions la vie éternelle. Satan est venu nous troubler. Et il nous avait volé la chose. Nous l'avons cru. Et nous l'avons cru. Mais que Dieu soit béni. Il est fidèle. Il a gardé le titre de propriété. Aujourd'hui, il nous le restitue. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Si la vie est en toi, la vie est une puissance. Quand on va partir, vous avez ici mis beaucoup de béton. Vous avez fait taire la vie qui est en dessous. Mais quand on va partir, la nature qui souffre aujourd'hui, sous ces dalles de béton, va sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir être attentifs à la parole de Dieu. Suivre Dieu dans son œuvre. Pas avec de la connaissance. Tout le conseil de Dieu, tout le message nous a été donné. On ne vient pas pour répéter. Nous devons laisser Dieu agir. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui viendra vous rappeler. Alléluia. Amen. Donc il doit ranimer la flamme. Que Dieu nous aide. Donc cet homme aveugle, il a vu. Il a commencé à rendre témoignage. Il était muet. Quant aux choses de Dieu. Mais la vie en lui a commencé à témoigner des choses de Dieu. Le monde était parti pour lui. Il a vécu la promesse. Alléluia. Amen. Mais quand vous observez, les parents eux-mêmes, ils connaissaient bien l'enfant. Mais il y a des grands docteurs aujourd'hui, comme les pharisiens d'autrefois. Si vous ne suivez pas tel docteur, vous allez être exclus. Vous allez être exclus. Donc vous n'irez pas l'enlèvement. Non, 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 ce n'est pas ainsi. Toi, tu dois expérimenter Dieu. Quand il t'a donné la vie, quand il viendra, il revient. On va chercher la vie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de doctrine humaine pour changer cette vie. Que Dieu soit béni.
Alors il a rendu témoignage. Mais ses parents, ils avaient bien vu l'œuvre de Dieu. Mais à cause de l'influence d'un homme, ils craignaient les hommes. Frères et sœurs, ne crains pas ton voisin. Ne crains pas le pasteur. Ne crains pas les serviteurs. Ne crains pas les diacres. Parle. Alléluia. Amen. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. On a trop fait taire. La parole. Mais lui, il savait qui il avait rencontré. Il avait rencontré l'auteur de la parole. Alléluia. Il ne pouvait pas décrire la personne. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas décrire la personne. Mais lui, il savait qu'il avait expérimenté la parole. Et c'est là que vous voyez, quand Dieu commence une œuvre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Où est-ce qu'on a retrouvé le soi-disant aveugle? Alléluia, dans le temple. Quand il est venu dans le temple, c'est là que Jésus est venu le rencontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères Amen. Et sœurs, même pour venir ici, tu dois avoir un témoignage. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. C'est important pour nous, frères. D'ici, tu as la foi comme un grain de sénévé. C'est la vérité. Tout le monde répond Amen. Mais ne dites pas Amen à moi. Répondez Amen à la parole. Ainsi soit-il. Tu as dit que cela soit ainsi pour moi. Ce matin, tu ne peux pas sortir d'ici avec un problème. Tu ne peux pas sortir d'ici avec un germe de maladie. Tu ne peux pas sortir d'ici sans l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dans le livre de Matthieu, il nous dit ici, Matthieu chapitre 17, verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Bageze mu bantu umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera nzagezaho kubana namwe nzabihanganira kugeza ryari nimumunzanire hano. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Yesu aramucyaha dayimoni amuvamo umuhungu aherako arakira. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati niki cyatumye twebwe bituranira kumwirukana. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Arabasubiza ati n'ukwizera kwanyu guke, arabasubiza ati n'ukwera kutizera kwanyu. Je vous le dis en vérité, ndababwira ukuri yuko, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, vous diriez à cette montagne, mwabwira umusozi muti, transporte-toi d'ici, va hano, et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Le Seigneur nous vient en aide. Frères et sœurs, c'est le même message qu'au commencement.
Le message qui a été donné au temps du soir à Adam, c'est l'évangile du salut. Alléluia. Amen. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile du salut. Parce que quand vous dites seulement, nous avons le message du temps, les gens vous regardent bizarre. Et ils disent tout simplement, ça c'est encore une secte. Quel message du temps du soir? Tu dois savoir qu'est-ce que c'est que le message du temps du soir. C'est le même qu'au commencement. Alléluia. Amen. Il a été restauré pour que nous puissions le vivre. Alléluia. Amen. Avant de pouvoir continuer ici, je veux qu'on passe ici quelque part dans Jean chapitre 11. Nous devons comprendre ceci. Jean chapitre 11 doit être assez rapide, mais que le Seigneur nous aide. Il est au contrôle. Vous êtes fatigué? Vous avez des rendez-vous? Moi j'ai un rendez-vous avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et puisqu'il est ici, alors je reste ici. Que Dieu soit béni. Quand vous connaissez l'histoire ici, où on vient dire à Jésus, les derniers versets du chapitre 10, Lazare, celui que tu aimes, Lazare, wa undukunda, est malade. Ararwaye. Frères et sœurs, Dieu ne marche pas avec des sentiments. On vient lui dire, celui que tu aimes, wa undukunda, Dieu nous aime tous. Imana twese iradukunda. Sans exception de personne. Nta muntu numwe idakunda cyangwa umusiga inyuma. Alléluia. Amen. Il dit, voici, il est malade. Aravuga ngo ararwaye. Alors il a répondu tout simplement, non, non, j'irai. Ati, nzajyayo. Il n'a pas dit quand. Ntabwo yavuze igihe. Alléluia. Amen. C'est souvent là notre problème. Aho niho ikibazo cyacu kivuka. C'est là aussi où Dieu nous met aussi à l'épreuve. Aho ni Imana itugerageze. Pour voir véritablement ta foi. Kugira ngo urebe kwizera kwawe uko kungana koko. Alléluia. Alléluia. Parfois il peut te faire attendre. Akenshi na kenshi ishobora gutuma kugutera gutegereza. Pour éprouver ta foi. Kugira ngo igerageze kwizera kwawe. Pour voir là où tu places ta confiance. Kugira ngo irebe aho ugiriryo bya biherereye. Mais Jérémie dit, ariko Yeremia avuga ati, heureux l'homme. Il place sa confiance en l'Éternel. Et dans l'Éternel est la confiance. Car il nous dit que ces démons-là ne sortent que par la prière et le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas seulement une abstination d'une nourriture. Non, le jeûne, c'est s'abstenir de toute activité. Alléluia. Amen. Ça commence par le jeûne de l'esprit. Amen. Amen. Parce que les pensées nous détournent de l'objectif. Mais si tu l'as reçu, la Bible dit dans Jean 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Tu peux jeûner. Ça va être difficile ce que je vais vous dire. Mais ça doit aussi être expérimenté. Tu peux prendre 2 jours de congé pour prier pour un frère. Pour prier pour une sœur. Prier. C'est pas simplement parler. Quand tu pries Dieu, c'est jusqu'à avoir une réponse. Quand il donne la réponse, tu sais qu'il va accomplir la réponse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir discerner toutes choses. Jésus lui-même devait dire, ne vous pressez pas d'imposer les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent on se presse et on ne voit pas l'action. L'action ne dépend pas de celui qui prend, qui prie, ni de l'imposition des mains. Dieu a le pouvoir de transformation. Mais toi, tu as le pouvoir de décision. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il a toujours dit. Imana yaravuze cyose. Non, avec des grandes prières. Ngo kuba abantu bamasengesho menshi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Yajyagibwira ngo yasengeraga ngo bikubere nkuko wizeye. Alléluia. Amen. La foi c'est une ferme assurance. Ukwizera n'ukumenya udashidikanya rwose. Une démonstration. Eh kandi ukamenya ko ibi bitariho bitagaragara. La chose que tu espères. Eh ibyo wiringira bitagaragara. C'est que Dieu soit manifeste. Yuko imana yagaragara muri. Pour que tu puisses rendre témoignage. Kugira ngo ubashe kubihamiriza byose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important pour nous. Ni byango bacyane kuri twebwe. Comment on va avoir la foi dans l'enlèvement? Ese n'ugute wagira kwizera ko kuzazamuka. Si on n'a pas la foi pour les choses à combattre sur cette terre. Niba udafite kwizera ko guhangana n'ibintu biri hano kuri isi. Mais ici il y a quelque chose qui est important. Ariko hano hari ikintu kimwe cyari kigomba cyane. Il dit donc ici. Aravuga ati. Mu verset 24. Umurongo wa 24. On peut lire même ici à partir du verset 20. Et je suis allé voir comment on va couper la vie. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Marthe a eu une vision que Jésus agit. Elle alla au devant de lui. A dit comme ça en gagnant. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Ariko Maria asigaraye cyemeje mu. Marthe dit à Jésus. Marita abwira Yesu ati. Si tu eus été ici. Ati data buja yuza kuburi hano. Mon frère ne serait pas mort. Musaza wanje ntaba yarapfuye. Je veux que nous puissions réellement être attentif. Ndagira utega amatwi ibingi birwose. Si tu eus été ici. Yego iyo uza kuburi hano. Mon frère ne serait pas mort. Eh mwene data nago yakaba yarapfuye. Frères et sœurs. Mwene tare muri cyane. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Et kwa byo cyo basa yashize. Jésus ne marchait pas en Égypte. Nago Yesu yagendaga muri Egypte. Jésus ne marchait pas en Syrie. Nago yarari magenda muri Syria. Jésus ne marchait pas au Liban. Yesu nago yagenderaga muri Liban. Mais Jésus était la parole faite chair. Ahubwo Yesu yari ijambo ryagizwe umubiri. Il marchait dans le pays de la promesse. Yagenderaga mu gihugu cy'amasezerano. Et le peuple de Dieu. Kandi ubwoko bw'Imana. Il l'avait établi dans le pays de la promesse. Abo yari yarashyize mu gihugu cy'isezerano. Pour que Dieu entre en action avec nous. Kugira ngo Imana ijye mu murimo wawe. Il doit nous placer sur la promesse. Bagomba kuguma bari mu masezerano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te tiens sur la promesse, iyo uhagaze ku masezerano. Dieu va te faire vivre la promesse. Imana izatuma ubaho muri ayo masezerano. Alléluia. Amen. Mais regardez la foi de Marthe. Witegereze ukwizera kwa. Si tu étais ici. Iyo uza kuburi hano, wari kuburi hano. C'est ça aussi parfois le problème de l'homme. Aho rero niho ikibazo cy'umuntu gituruka. Que les serviteurs de Dieu me soutiennent. Abakozi b'Imana bamfashe. Juste pour pas leur demander qu'ils me pardonnent. Et ngo ntagaru kubabwira wenda ngo bababarire. Parfois, on s'attend seulement à aller voir l'homme de Dieu. À quel chaman nous savons quand on nous mukozu iman. L'homme de Dieu. Mukozu iman. C'est vrai. Nibyo. Dieu agit aussi par ses serviteurs. Iman, gosi kora mukomu mukozu bai. Mais à l'heure où nous sommes. Ariko mugiye uyu muhoturi munsi. On ne doit pas seulement s'attendre à ses serviteurs. Ntabwo tugomba guhagarara gusa ngo abakozi b'Imana. Il a fait de nous. Yatugize natwe. Un royaume. Yatugize ubwami. Et des sacrificateurs. Yatugize ubwami bw'abatambyi. Alléluia. Amen. C'est pas réservé aux serviteurs. Ntabwo yari bigenewe abakozi b'Imana gusa. C'est pas réservé aux frères. Ntabwo yari bigenewe bene data. Même la sœur remplie du Saint-Esprit. Na mushiki wacu uzuye umwuka wera. Priez pour toi. Ashobora kugusengera. Et tu es guéri. Kandi Imana irakiza. Alléluia. Amen. La puissance est dans le corps. Imbaraga ziri mu mubiri. Mais ici, Marie dit, et Maria aravuga ati, si tu eus été ici, ngo iyo uza kuburi hano, mon frère ne serait pas mort. Musaza wanje ntaba yarapfuye. Mais maintenant même, non, ako kanya, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, ati nzi ko ibyo usaba Imana byose, Dieu te l'accordera. Imana ibiguha. Jésus lui dit, Yesu aravuga ati, ton frère ressuscitera. Et mwe musaza wawe arazuka. Mon frère, ma sœur, mwene tara muri cyane. La Bible nous dit, Bibiliya ivuga iti, ça c'est la signature de Dieu. Iyo niyo signature y'Imana. Donc c'est la signature de Dieu. Iyo signature y'Imana. C'est la parole de Dieu. Ni ijambo ry'Imana. Il y a rien à ajouter. Nta cyo kongeraho. Rien à retrancher. Nta cyo kuvanaho. Ce que Dieu dit. Ibyo vuze. Il l'accomplit. Ibyo vuze irabisohoza. Alléluia. Amen. Regardez bien s'il vous plaît frères et sœurs. Non, mutegeze mwe tare mbashi banje. On a eu aussi le témoignage que Dieu bénisse mon bien-aimé frère. Ubuhamya nkubwo mwe tare uzaduka. Dieu ne change pas. Imana ntihinduka. Alléluia. Amen. Mais notre foi. Non, kwizera kwacu. Si elle était comme un grain de sénévé. Iyo muza kuba nka kabuto ka sinapi. Aujourd'hui. Uyu munsi. Cette graine là. Ako kabuto. Elle peut pas rester dans ta poche. Ntabwo gashobora kuba mu mufuka wawe. Cette graine là. Ako kabuto. Elle doit tomber dans une terre fertile. Ntagomba kujya mu butaka.
butaka burumbuka. Cette terre fertile, c'est ton cœur. Ubwo butaka bwiza n'umutima wawe. Cette graine de s'élever. Ako gato kasinapi. La foi que tu as. Ukwizera ufite. Elle doit grandir. Jésus dit, yes, la graine de s'élever, c'est la plus petite des semences. Mais quand elle a poussé, elle devient un arbre. Un arbre de vie. Alléluia. Amen. Et un arbre qui doit donner du fruit. Que Dieu soit béni. La graine de s'élever, c'est la graine de moutarde. Et la moutarde, on n'avale pas comme ça. On doit la broyer. On doit la broyer. Alléluia. Ça devient premièrement de la farine. Et puis on commence à y ajouter un peu d'huile. Si la farine c'est la parole, on doit rajouter l'huile d'onction sur la parole. La moutarde, c'est une épice forte comme le pili-pili. Elle doit donner la force. Dans la moutarde, il y a un antioxydant naturel. Qu'est-ce qui était oxydé dans le corps? Le diable vient pas attaquer seulement la chair, mais pour appauvrir la chair, il vient d'abord oxyder le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Alléluia. Amen. Nous devons prendre ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Dieu a choisi cette semence. Pour que toi tu puisses recevoir la science de la réflexion. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Il nous a tout donné. Amen. Il est le Dieu véritable. Mais Marthe lui dit ici. Et il dit. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit. Ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Point. Il n'a pas dit quand. Certes, c'est au futur. Mais ça peut être un futur proche. Mais il a dit. Crois seulement. Le temps et le moment viendra. Lisons ici. Marc lui répondit. Je sais. Ndabizi. Alléluia. Amen. Elle avait la connaissance. Yari afite ubumenyi. Amen. Amen. Elle a dit je sais. Yaravuze ati ndabizi. Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yuko azazuka mu muzuko ku munsi w'imperuka. Ne limitez jamais Dieu. Lukaje nari mukira w'imipaka Imana. Alléluia. Amen. Jésus l'a repris. Yesu arongera mukosora. Avec beaucoup d'amour. Iba mukosoza urukundo rwinshi. Et il lui dit. Aramubwira ati. Je suis. Ati ni njyewe. Alléluia. Amen. Il dit je suis. Aramubwira ati ndi. Quand tu pries. Yusenga. Tu entres dans la présence de Dieu. Winjira mu bwiza bw'Imana. Il est le je suis. Ni we ndi. Tu ne peux pas te relever. Na gushaka guhaguruka. Sans la solution. Utahavanye igisubizo. Alléluia. Amen. Le pasteur est en voyage. Umushumba ari mu rugendo. Mais Jésus est ici. Alléluia. Amen. Il dit je serai avec vous. Pas avec vos pasteurs. Pas avec vos docteurs. Pas avec vos évangélistes. S'il les utilise encore pour nous aujourd'hui. C'est pour que nous arrivions à la perfection. Alléluia. Amen. Avec une foi ferme et inébranlable. Il dit je suis. La résurrection. Et la vie, Dieu est parfait. Il a commencé à observer Marc. La parole de Dieu discerne la pensée. Puisqu'il nous a envoyé l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie n'est pas pour aller nous faire conduire toujours dans la même direction, mais l'esprit d'Élie est pour nous ramener. Quand Dieu parle, il parle avec un ordre parfait. Il dit, je suis.
la résurrection ndi umuzuko et la vie ndetse n'ubugingo. Si tu as la vie, niba iwe ubuzima, tu ne mourras jamais. Niba ufite ubugingo ntabwo uzabugikwira na rimwe. Amen. Que Dieu soit béni. Imana ihimbazwe. Il y a une chose importante, frères. Nous manquons d'expérimenter. Yuko ikintu tujya tubura mu buzima bwacu. Suivant un peu plus loin. Et dukomeze hepo gato. On va passer ici. Et tujye kugera verset ici 34. Kumunongo ameze 34. Et entre donc Marie. Non, basubiye mu rugo na Maria. Il éprouva aussi la foi de Marie. Non, agerageza nous kwizera kwa Maria. Et il dit à Marie. Abwira Maria ati. On va lire verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, Maria ageza aho Yesu ari, et qu'elle le vit, amubonye, elle tomba à ses pieds et lui dit, imbere y'ibirenge bye, Seigneur, si tu étais ici, databuja, iyaba wari hano, mon frère ne serait pas mort. Musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ça devient une doctrine. Noro bihindutse nk'inyigisho. Ça devient une doctrine. Yabaye nk'inyigisho mu rugo iwabo. Alléluia. Amen. Frère, nous ne sommes pas là. Et kabura aho utaraho ngaho. Pour répéter ce que le pasteur dit. Mais nous devons vivre la parole. Aujourd'hui, on veut vous obliger à marcher comme ceci, à prendre cette direction-là, à suivre celui-ci, de telle manière. C'est une expérience personnelle. Dieu connaissait le niveau de Marthe. Il l'a ramené au meilleur niveau. Amugarura ku kigero gikwiriye. La connaissance l'avait amené à la fin. Ubumenyi bwari bwaramujyanye inyuma ku iherezo. Mais elle ne voyait que la fin. Ariko yabonaga imperuka gusa. Dieu a pris sa pensée. Imana ifata ibitekerezo bye. Et il l'a ramené sur le fondement. Imugarura ku rufatiro. La parole est la vie. Ijambo niryo bugingo. Alléluia. Amen. Il parle donc maintenant à Marie. Non, abwira Maria. Et il dit ceci. Abwira Maria ati. Jésus la voyant pleurer, non, Yesu amubonye arira. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, n'abayuda bazanye nabo bararira. Il frémit en son esprit. Non, asuhuza umutima. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bera taramwe kibanye. Le Saint-Esprit. Umuka wera. Peut-être que je vais vous faire mal, hein. Wenda ngiye kubabaza mbabari. Mais il le faut. Ariko ni byango. Il reprend. Et arakosora. Il corrige. Arakosora. Il instruit. Et akigisha. Cette chair-là, ça doit disparaître. Non, non, uyu mubiri ugomba kumura. L'homme nouveau doit sortir. Umuntu muzima agomba gusohokamo nanone. Umuntu mushya. Quand nous perdons quelqu'un. Iyo dutakaje umuntu. Alléluia. Amen. Hier, on a assisté aussi à un enterrement, hein, mon frère. Et nejo araho twagiye no gushyingura. Mais bon, je suis content quand même. Et ariko biranezeza. Parce que c'est un mort vivant, il est là. Et kubera ko ari. On a enterré une vie de jeune homme. C'est une nouvelle vie. Donc tu ne peux plus vivre comme un jeune homme. Regardez le type. Le naturel typifie le spirituel. Donc tu ne peux plus vivre comme un soi-disant croyant. Tu ne peux plus vivre comme un religieux. La vie de jeune homme est partie. Aujourd'hui, uyumusi, tu dois vivre tes responsabilités. Une nouvelle vie. Une vie consacrée. Nous vous un type de Christ et son Église. Amen. 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 C'est pas une vie de couple ordinaire. Notre mariage. C'est pas une vie de couple ordinaire. Nous devons vivre la parole. Jusque Zaka. Jésus dit, yes, ravugati. Jusque Zaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'écoutais donc attentivement le médecin. Et il préconise donc un traitement. Ce qu'on appelle un traitement chimiothérapique. La chimio, c'est un traitement qui brûle dans le corps. Et la chimiothérapie, nous allez quoi, vous tuez comme mobile. Satan, c'est un imitateur. Et Satan, nawe numwiga. Ce qui doit brûler dans ton corps. Ibigomba kuba byaka mu mutima wawe. C'est le feu du Saint-Esprit. Wakabaye ari umuriro w'umwuka wera.
Mon épouse préférait une opération. Et on m'a dit que j'ai eu un peu. Donc l'intervention d'une main humaine. Et à chaque fois, on a eu un peu de temps. Aujourd'hui, oui, moi aussi. Nous voulons simplement l'intervention de la main de Dieu. Nous sommes rentrés à la maison. Peut-être que vous n'allez pas m'aimer. Ce n'est pas mon problème. Aimer la parole. Nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes arrivés dans la maison, nous sommes entrés dans la cuisine. Et tu as mis du moi et mon épouse, elle s'est mise par terre. Non, elle dit pourquoi moi encore? Il y a une force qui est entrée ici. Il n'y a pas de sentiment humain. J'ai dit lève-toi. Elle commence à dire, j'ai dit lève-toi. Lazare, sors. Alléluia. J'ai dit lève-toi. Elle s'est levée. Je l'ai enlacée. J'ai dit, tu as vaincu le premier. Nous vaincrons aussi le deuxième. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan est vaincu. Non, Satan est. Mais la foi dépend de toi. Alors, pas de celui qui prie. La foi dépend de toi. Alléluia. Amen. Si tu laisses Satan jouer avec toi, c'est son droit. Hein? Parce que dans la Genèse, voilà, le Seigneur lui a dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Alors il peut jouer avec la poussière. Alléluia. Amen. Nous devons le chasser. Pendant qu'il y a eu cette épreuve, Dieu a manifesté sa gloire. Il devait manifester qu'il était le même. Si tu as doute, il doit le manifester à côté de toi. Quelques jours après, il m'est arrivé un problème. Mon épouse, nous étions ensemble, et puis elle vient m'enlacer. Quand elle m'enlace, elle a frotté le ventre. Qu'est-ce que c'est que ça? On a commencé à regarder. Il y avait une hernie. Une hernie. D'environ 3 cm. Et qu'est-ce que c'est que ça? Comme moi, je ne suis pas médecin. J'aime bien aller voir mon médecin. Lui, n'aime pas vraiment me voir. J'aime pas beaucoup me voir. Et n'a pas kunda kumbone inshuro nyinshi. Parce que je suis pas un bon client pour lui. Kubera ko ntabwo ndu umukiriya mwiza kuri we. Chaque fois qu'il dit qu'il faut faire quelque chose, iyo ambwiye ngo hari kintu agiye gukora, j'écoute attentivement avec la foi. Tega matwi gusa bitega matwi no kwizera. Quand je comprends ce que c'est, non, n'amara gusobanukirwa ibyo ari byo, la foi déjà enlevé la chose. Non, non, ukwizera ugahita gukora icyo kintu. Donc je vais le voir. Non, njya kumureba. Commence à ausculter. Non, atangira kugiye kureba. Oh, il dit rien de grave. Arabwe ati nta kintu gikomeye kirimo. Je dis je sais. Arabwe ati ndabizi rwose. Il dit, c'est pas comme Redempta. Et de peur qu'on aurait cru que ce soit un cancer. Même si cela était. Nous, il y en a qui sont nés sous le signe du cancer. D'autres sous le poisson. D'autres sous le poisson. Le bélier. La vierge. Et ni. Seigneur du ciel et de la terre, toi qui règnes sur toutes choses, mon Sauveur, aujourd'hui nous sommes venus devant toi, ô Éternel notre Dieu, devant ton trône de grâce et de miséricorde, car c'est auprès de toi que nous avons trouvé grâce et miséricorde, mon Sauveur. Nous avons été en proie au doute, mon Sauveur. Nous avons laissé l'ombre du doute venir planer sur nous, mon Sauveur. Nous nous sommes laissés envahir, Seigneur, par les soucis. Nous nous sommes laissés entraîner, mon Sauveur béni, par les vanités de cette terre. Mais aujourd'hui, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu, Seigneur, ta volonté parfaite. Tu es réellement le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce matin, mon Sauveur béni, tu nous as manifesté, ô Dieu Tout-Puissant, que tu ne changes pas, mon Sauveur. Tu veux opérer quelque chose encore pour nous aujourd'hui, mon Dieu. Nous confessons que tu nous as donné ce que nous t'avons demandé. Nous voulons simplement chanter, louer, témoigner de ta véracité. Que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Car tu nous as donné le nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ.
Thank you.